Comment installer GSM Aladdin? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de la liker s'il vous plaît, de vous abonner, puis d'activer la clochette pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mais avant de commencer, intro. Et pour commencer, nous allons aller chercher le setup de notre logiciel. Voilà, je suis là. Voilà, je vais le prendre par exemple avec son keygen. Je le mets au bureau. Voilà, je vais l'extraire ici. Au bureau même. Et voilà, je vais le déplacer un peu ici à côté. Puis ensuite, je vais double-cliquer sur notre setup extrait. Je vais ensuite aller sur GSM Aladdin Loda ici. Je vais l'exécuter en tant qu'administrateur comme ça. Puis ensuite, je vais cliquer sur oui. Ensuite, je vais aller ouvrir notre keygen. Je vais double-cliquer dessus et voilà notre keygen. Je vais également masquer cette fenêtre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ces codes ici et je vais faire CTRL-C pour les copier, puis venir les coller dans notre keygen. Puis ensuite, je vais cliquer sur Generate ici, Generate. Puis je vais reprendre ces codes-là, CTRL-C, pour aller les coller de l'autre côté dans notre loader. Et voilà, je vais écrire un nom, je vais écrire par exemple DRY Brada Formation. Et ensuite, je vais cliquer sur Register Now. Restart application to show changes. Je vais fermer ces fenêtres-là. Et ensuite, je vais aller chercher notre loader. Voilà, je vais l'exécuter en tant qu'administrateur comme ça. Voilà, nous allons attendre. Et voilà, notre GSM Aladdin vient d'être lancé. C'est tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous plaît, de vous abonner, puis d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Puis, vous pouvez également nous dire en commentaire sur quelle autre partie du logiciel de déblocage je peux vous faire des tutoriels. Et également, n'oubliez pas de cliquer sur cette fiche ici, puis atterrissez sur ma chaîne musicale. Et là également, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles chansons. Merci, à la prochaine.